Fondée sous la dynastie des Han, en 68 après Jésus-Christ, le monastère Bahima est le premier temple bouddhique implanté en Chine. Selon la légende, en 64, l'empereur Mingdi vit en rêve un homme d'or. Impressionné par cette vision, il dépêcha des diplomates Tiangsu, aujourd'hui en Inde, pour copier les sutras. Alors les sutras, ce sont les saintes écritures bouddhiques. En 67, ils chargèrent sur un cheval blanc les sutras rédigés en sanskrit. Puis revinrent à Luoyang, accompagnés de deux moines indiens. Les moines chargés de traduire les textes en chinois demeurèrent dans le temple rebaptisé, le temple du cheval blanc.